Bonjour, je me présente Hervé Jacomet, gérant de la Société des Ambulances Jacomet, partenaire du CEL. Bonjour, je suis Célia, je travaille pour les Ambulances Jacomet, je suis responsable com du CEL. Bonjour, David Asté, régulateur aux Ambulances Jacomet et seconde ligne à l'équipe première du CEL. Le yin, on l'a depuis deux générations, à la date des années 70. Suite à la présidence de mon oncle, Ulysse Jacomet, qui a été deux fois président du CEL. Après, je m'en souviens, dans les années 80, même le catalogue, il y avait une sorte avec les photos des juniors, des cadets, de la réserve, la première, et toutes les publicités des commerçants qu'il y avait. Et après, vous voyez que maintenant, ça a évolué. Et après, c'est vrai que dans mon effectif, comme je disais, bon, mais il y a David Asté qui joue en première, qui a été capitaine plusieurs fois pendant des saisons, et Célia qui s'occupe bénévolement aussi du CEL. Voilà. À ce jour, ça fait 12 ans que je suis seconde ligne et que je défends les couleurs de l'Annemezan. Et voilà, et en association, je travaille aux Ambulances Jacomet depuis 15 ans. Avant tout, c'est pas les ambulances Jacomet, c'est les ambulances du plateau. Elles ont commencé à exister à partir des années 70. Mon père et son frère sont les pionniers. Ensuite, je suis arrivé aux années 90. Nous avons prospéré. Nous avons racheté les ambulances à Saint-Lary. Après, nous avons racheté à Arreau, Saint-Colin. Après, nous sommes aussi sur le domaine skiable de Saint-Lary-Soulan où on fait les secours de montagne, bon, bas des pistes ensuite, et après on fait beaucoup de rapatriements. Voilà. Ensuite, nous sommes une équipe de, on va dire, 48 salariés. 48 salariés, 4 régulateurs, 4 secrétaires. Notre principale activité, bon, c'est transport BSL. On est à peu près entre 200 courses par jour. Beaucoup de Toulouse, beaucoup de Tarbes, de temps en temps de Bordeaux en consultation, et un parc de 10 ambulances et 17 BSL. On est dans un numerus clausus, c'est-à-dire que je ne peux pas agrandir mon parc automobile. Et bon, après, on fait tout ce qui est consultation, hospitalisation, radiothérapie, chimiothérapie, urgence, appel 15. On est toutes les nuits de garde. Via le 15, voilà, H24 sur 365 jours. Et on a la chance de faire des rapatriements, et cette chance, bon, ben moi j'ai eu la particularité de partir en avion pendant, voilà, j'ai fait Paris, Genève, Toulouse, je crois dans la journée, je ne me rappelle plus, j'avais fait 5 aéroports avec un patient. Après, comme il y a Célia aussi qui est partie à Lisbonne, hein, un jour en 24 heures, j'étais à Paris, le lendemain j'étais à Barcelone. Ou à Madrid plutôt j'étais. Et après, pas mal de personnes avaient lourd des rapatriements en Italie, mais bon, c'est voilà. Longévité, pourquoi ce mot? Parce que nous sommes une famille qui avons porté le maillot du CEL pendant 5 générations. Et les derniers, ce sont Pierre et Nicolas. Solidaire, parce que je sais qu'on peut tous compter l'un sur l'autre. Pour moi, ça serait la combativité. Ça fait 12 saisons que je suis au club et on est passé par beaucoup de moments difficiles comme des bons, mais le club a toujours su relever tous les défis qu'on nous a imposés, que ce soit pour des soucis administratifs, des soucis financiers, des grosses blessures de certains joueurs, des entraîneurs qui sont partis ou des présidents. On a toujours réussi à relever des défis malgré tout. Donc voilà, c'est le mot qui me revient le plus pour ce club. Je dirais fierté. Le pourquoi, ben, porter le maillot. À l'époque, on portait le maillot en coton, bien dur, bien qui vous prenait la peau du corps. Et ces couleurs, là, rouge et blanc, et puis marqué ces trois lettres, c'est elle. Et cercle amical à Mezané. C'est vrai que c'est quelque chose où on va, quand on part dans différentes villes, même nous en rapatriement, tout ça, d'où est-ce que vous êtes, bien, on dit on est à Mezané, le plateau. Et le CEL où tant d'internationaux sont sortis de là aussi d'ailleurs. Et on est fiers d'aborder ça. Voilà. Ici, c'est le plateau!
impeccable.